Salut à tous! On se retrouve pour jouer à Resident Evil euh, à 2 avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Salut! Alors, du coup, comme je ne saurais pas jouer tout seul, j'ai invité un ami <laughs> pour me faire la compagnie, sinon euh, la vidéo s'arrête au bout de 4 secondes et demie. Il avait trop peur! Donc, on est sur euh, Saturne, je préfère le préciser quand même. Bon, on n'a pas le mode de jeu euh, qui est dans la version de Dexter's Cut, euh, où il euh, y a un mode supplémentaire par rapport à la Play on va faire New Game. Ça fait peur, hein, les enfants. Et normalement, on va avoir l'introduction. Alors, on va, prendre, bah, on va prendre évidemment Gilles Valentine qui a plus de slots par rapport Gilles. à Gilles. Gilles. Gilles Valentine. De toute façon, Gilles ce... Valentine. Et là, c'est le bruit de l'effroi. Bon, ça va, <laughs> <laughs> c'est pour <laughs> que je me ça Ouais, c'est clair. <laughs> bon, de toute façon, fausse... la forêt des ratons laveurs. On va le faire en mode normal, hein. enfin en mode euh, un peu. Voilà, parce que vous connaissez le jeu par cœur, ça sert à rien. Ça va 2 Caméra 2. <laughs> bon, en gros, il y a eu des meurtres qui ont été commis à Crown City de manière assez euh, bizarre. Oh mon dieu Des meurtres mmh, C'est horrible. Oh, non, voilà. La, la team Bravo. Pour enquêter sur les disparus. C'est ça. Et là, du coup... Euh, le ouais. thriller... Ah mais à l'époque, n'empêche... Euh... Ah c'est la version censurée. Ouais, c'est la version censurée, ouais. c'est pas Director's Cut. Euh... Bon après, à part du sang un peu plus, et quelques scènes différentes. Euh... Oh mais quel charisme de ces acteurs On remarque le découpage de la vidéo avec la framerate. Tu veux dire le tearing Ouais, le tearing, ouais. Ah oui d'accord, ça vient pas de chez moi. Non, non, <laughs> ça vient de... Ouh C'est vrai que c'était un, un parti pris euh, pas forcément commun à l'époque, euh, faire un petit court-métrage comme ça pour l'intro du jeu quand même. Avec des vrais acteurs, ouais. Oh ah, c'est ouais, mignon Ah bah ouais, il y a que c'est vrai. Oh, mon dieu <rire> <rire> Ça va, t'es un Marines quand même quoi, genre... Ah <laughs> oh, bah... Oh. C'est suis Mauvaise Actrice <laughs> Donc logiquement ils vont courir jusqu'à se refugier dans un manoir. Non, ne partez pas <laughs> Oh l'enfoiré Le pilote il joue à un meilleur jeu, il vit sa meilleure vie lui quoi. C'est clair. Il joue à Simcopter en fait. Tu sens le le, le chien modélisé, enfin même pas modélisé, en vrai. C'est un voilà. une marionnette à la main en fait. Et le fameux manoir. A... Le chien c'est un guignol, tu sais, c'est comme les marionnettes là genre. Et là c'est le le plus kitsch du jeu Non mais j'avoue que moi à l'époque ça m'a ça m'a fait euh, flipper hein, mais euh, quand j'étais petit quoi que j'avais genre 5 ans. C'était quoi tu vois C'est vrai qu'avec le recul, quand j'avais 5 ans ça m'a fait flipper j'avoue ah, oui, avec mais... le recul, c'est vrai que tu sais que je crois que j'ai même pas jamais re rejoué au jeu revu l'intro depuis, euh, depuis l'époque en plus. Ah oui carrément. Ah, ouais, non, non je l'ai vu entre temps. Bah, elle a vu la parodie fois, mais... du JDG, mais. Euh... Ah, la parodie, elle est, elle est énorme d'ailleurs. Hein, elle est vraiment elle... très bien faite, ouais. Mais, bah, moi ouais, j'ai joué, j'avais fois 10 ou 11. C'est lui le méchant. <rire> <rire> ah, je suis méchant. <laughs> le mec, on le grille limite au bout de 20 minutes dans le jeu, mais bon, c'est pas grave. Hmm. Bon, en espérant que le jeu tienne. Là où il pensait être en sécurité. Pour l'instant... Bon... Oh. Ça va... il se demande où est passé le quatrième C'est vraiment les petits flottements entre les dialogues Ah euh... <laughs> oh mon dieu now jill can you go i'm going with you chris is our old partner you know okay let me handle this oh oui laissez-moi seul pendant que vous portez <laughs> tous les deux juste pour la précision je fais pas des blagues parce que pour troller le jeu c'est plus pour Détendre l'atmosphère pour qu'il descend oui, bon, oui. voilà. qu après... se dans ton élément. Alors après j'aurais peut-être moins peur <laughs> puisque à force d'avoir vu le jeu en long et longtemps large et en travers, je vais être oui, moins être surpris. Mais bon. Ouais ça c'est que... ce que tu dis dans la vidéo, mais euh, en Ouais. Vrai, en fait c'est au fur et des... à mesure que tu joues euh, <laughs> plus, plus c'est pire salle à manger. Oh ouais. mon dieu Alors du coup, bah on va avancer un petit peu, on va aller le voir, il va sûrement voir des traces. Vous remarquez que la table est mise, hein. Euh... Ouais, c'est pas faux. Alors, par contre, ce bruit déjà d'horloge continue. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, ouais, puis les secondes elles sont rapides. le hein. sang. Ok. J'espère que c'est pas le sang de Chris. Le sang du Christ <laughs> Oh là là. Voilà, voilà c'était la seule bonne du jeu, bonne soirée hein. à tous <laughs> Bon, on va aller voir euh, notre pote là, sûrement c'est barré pour changer. J'aime bien quand on se sépare toujours dans les trucs d'horreur, c'est magnifique. En fait, ça se trouve, tu t'entends l'horloge quand même, le, les secondes passent très vite quand même. Et là, c'est un petit, euh, petit ouais, signe pour voir que ce qui se passe dans ce manoir, c'est pas tout à fait en phase avec la réalité euh, du monde de la réalité véritable. Et ces chargements, oh, putain. Alors ça, ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais, bah c'était le, c'était bien trouvé quand même hein, pour faire le chargement pas trop chiant et en mett... en gardant un ouais. côté euh, un peu oppressant. Ouais. Ici. Hein. Alors, y a pas de sous-titres. C'est bizarre. Je pensais qu'il y avait des sous-titres dans le jeu parce que parfois il y a, les... il y a le sous-titrage même en anglais. Hein. Il y a le... il y a le... Et là, non, ah ouais. c'est pas le cas. J'aurais dû prendre la, la, la beta, version bêta. Non, non, non c'est pas la version bêta. D'ailleurs, je voulais faire ah, la, la beta version bêta à la base. Euh... Mais bon. La version bêta, je serais vraiment mort au bout de 4 secondes. Puisque de toute façon, elle est intenable cette version. Et, si vous voulez. J'ai même pas envie de écouter en fait. Il a dit euh... bah, C'est le sang, on va voir, euh... je sais pas quoi. On va... On va lui reparler, il va dire. Qu'est-ce <laughs> que tu veux Je t'ai dit d'aller chercher du café là. Ah <laughs> oui, il faut aller là, je crois. Voilà. Il va y avoir des chiens. Paris. Non, non, non. Non, non c'est plus tard. Alors, oui, bon, c'est vrai que toi, ça fait longtemps que t'as pas revu. Euh, non, ah, non, ouais, ça fait très très longtemps. Ouais. Non, non. En fait, il va falloir avancer. Alors, juste vérifier dans les options du jeu. Euh, faire spray, Ah voilà, oui, c'est nice. bruit de menu aussi, je les adore, les bruits du menu. Ah, les bruits du menu, ouais. Le ploup, voilà, c'est ça, là, le ploup. <laughs> Alors, normalement, euh, de souvenir, on peut. Bon, je vais pas spoiler, on va quand même avancer un petit peu. Mais logiquement. Il y a deux manières de faire. Mais quelle est cette tablette Arcos N'empêche. Euh, <laughs> ah oui, c'est vrai. <laughs> Alors, là ce qui est drôle, c'est que je suis pas passé par l'endroit habituel normalement. Tu retournes pas de là d'où tu viens là Ah bah ouais, ouais, c'est bizarre. Mais il y avait. Je pensais avoir pris la bonne porte. En fait, euh, je me suis fait avoir pour le contre-champ <laughs> Simulateur d'ouverture de porte 2020. Et là, je veux dire, ça paraît très con, tu vas rigoler, mais je stresse déjà en fait. <laughs> Sans déconner. Ah ouais, je stresse déjà. Je stresse déjà. Voilà, il y a une porte. Ah ouais, non, mais voilà, elle est locked en fait. C'est fermé de l'intérieur. Alors, normalement, il faut être tout au fond. Euh. Non, faut passer par là, on y arriver. C'est l'autre côté. Évidemment. Oh, attends Oh, la gueule Attends, reviens. Je vais voir la fille. Reviens. Attends, attends. Avec, le, avec la pixelisation, on dirait qu'elle a. Wouah on dirait qu'elle a un espèce de faciès, yes, mec. Ah oui, oui, bah c'était euh, 96 <laughs> le jeu mine de rien. Alors il n'y a pas trop de différence entre les deux versions PlayStation et Saturne. Euh, je remarque d'ailleurs qu'elle l'effet de d'ombre, euh, vraiment l'effet d'ombre, c'est pas, pas un pixel sur deux de la Saturne qui est pas présent là, donc ils ont enfin fait un ah truc ouais, normal. Et attention, la scène mythique. Après calme ton orgasme, hein, c'est. Euh... C'est juste un masque. Euh... Ouais, ouais, <laughs> bah ouais, non, mais bon, ils ont pas été voulu <laughs> le faire sur trois quarts de jeu, quoi, donc. Wouah, la CGI Alors, ouais regarde, non, non, il y a quand même avec le sang qui coule derrière Ah, ouais, mais moi en 2020, je ne saurais pas faire ça, quoi. Alors, c'est là où normalement le jeu plante. Non, On dirait je... le vieux de la Merzone zone au début du jeu. <laughs> alors là, je vais faire buter, mais norm normalement, je pourrais mettre un coup. Ouais, ouais, alors attends, attends, attends. attends. Te suce le cou quand on dirait en que pas, un on, on, va pas le... faire, on va pas on va, on va pas. Euh... Pistolet On va reculer. Euh, je sais plus comment on fait. Ah oui, il faut faire. Attends, il faut faire ça. Fa... Oh, je, suis <laughs> déjà, je suis déjà quasiment mort Je suis déjà quasiment mort. Alors, je suis déjà en mode danger, quoi. Il m'a déjà tout pourri. Attention, dino danger. Et euh, je n'ai même pas vu comment on fait pour tirer. Pouf Croix Oh là là, cet effet de muzzle flash là, vraiment pas dégueu hein. Attends, on va reculer. Pouf. Normalement, je ouais, suis, bah, suis censé coup, le viser. <laughs> je suis censé le viser au moment où il va... Vas-y, shoot. Oh là là, recule. Recule, Kimi, tu vas te faire manger. Oh, ça va. Attends, voilà, et on va lâcher parce qu'il va revenir. Ah ouais Ah, ouais, il faut juste vers le bas, normalement. Ou oh, alors, c'est quand il y a du sang, c'est bon. Ah, je crois que non, quand il y a la de sang, ça va. Bon, du coup, on va revenir à où on était. T'as vu, vu ses jambes Par contre, tu oui, sais, je suis déjà en danger. J'ai même pas commencé le jeu, quoi. Je suis oh, déjà pratiquement euh, mort. Ouais. Euh, alors, on va utiliser voilà, pour être normal. Je vous dis, je suis pas forcément une flash à ce jeu, loin de là. Donc... et la version, la version bêta, comme j'expliquais à Guillaume en aparté, ça, elle est énormément, elle est vraiment beaucoup plus dure parce qu'en fait, on a les monstres de fin de, fin de jeu carrément dès le début. C'est marrant, ces jambes et comment elles sont reliées à son bassin, quoi. Ouais, ouais, alors il y a aussi... Euh, les personnages sont un petit peu faits différemment entre les deux consoles. Euh, il y a un peu plus de détails sur la, sur la Saturn, mais là, par contre, la géométrie, la 3D est plus réussie sur la Play. C'est qui, lui Bah, c'est un pote, C'est hein. le zombie, est, le gars qui était en train de se faire bouffer par le zombie. Ouais, il me semble qu'on va faire quelque oui. chose, attends... Voilà, c'est Kenneth from the Stars, bravo oh, team non c'est notre collègue. Il est devenu l'ombre de lui-même. <laughs> là, tu vois, il y a des plantes. C'est le cas de le dire, hein franchement. <laughs> non, normalement, il y a des plantes, mais euh, je pense pas que ce soit là qu'on puisse prendre. it's outside. C'est très, euh, très euh, calme dehors. Alors, normalement, il y a une musique de fond aussi. Enfin, pas forcément maintenant. Et, euh, bon, bon là, on, va, on va revenir. Tu vois qu'il va. Non, ça va, il y a toujours la tâche de temps, de sang. Et en plus, les zombies revivent au bout d'un moment si on les brûle pas. Enfin, un peu plus tard dans le jeu. Évidemment, je spoil totalement euh, ceux qui n'ont jamais joué, mais bon, je pense qu'il y a énormément de gens, de gens qui, ont, qui ont été spoilés depuis un milliard d'années, donc ça c'est trop grave. Ça me fera toujours rire les gens qui accusent de spoil sur un jeu de 20 ans. Ou ouais, c'est ça. De ans, <laughs> tu m'as spoilé le Titanic, et à la fin il coule. Oh, mon dieu Attention, scène d'action intense. La musique s'est arrêtée aussi vite qu'elle a commencé. Ouais, mais il vient d'en avoir une après. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce ce que c'est que ça Oh, Kenneth a été tué aussi, peut-être par cette créature. Peu importe, faisons notre rapport à Wesker. Wesker, le dernier dinosaure. Oh putain. Ah ouais, 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 ouais. on se détend comme on peut, les gens. <rire> <rire> ah oui, oui, voilà. Attention, hein, plus je fera peur, plus je ferai des blagues pourries. Alors on va avancer. Euh, bon, on va ouvrir, on va aller voir Wesker. Évidemment, on va passer Wesker. Après, je peux comprendre que ce jeu fasse peur dans les années 90. Euh... Un ado seul dans sa chambre, euh, de nuit, il joue à ça, ouais, il se chie dessus mais... En 2020... Euh, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais gamin et qui m'a empêché de regarder le jeu. Je, je vais te montrer ce que j'ai fait, en fait, qui m'a fait quitter le jeu instant et plus jamais jouer par moi-même quasiment de ma vie. Sauf la test je pense de la que bêta. Des chiens. Je pense que c'est des chiens. C'est juste ça. Tu dis tu te casses. Je me rends pas ça. Voilà, c'est oh tout con C'est tout con Ah oui oui non mais je dis c'est tout con. C'est juste oh, non, ça. Ah mais j'avoue. Et c'est là que j'ai compris que c'était un jeu d'horreur en fait. Mais vraiment quand j'ai pris le jeu, je l'avais acheté d'occasion euh, dans un vidéomania, je crois que ça s'appelait comme ça. Mais ce chien ne réclame que des croquettes et de l'eau. Vous euh, avez rien compris. <laughs> bon on a perdu Wesker, sans déconner, quelle enfoiré celui-là. Alors je crois qu'il y a des endroits qui sont fermés, mais il y a un endroit où on va pouvoir... Euh... Ah oui, je, je cherche, cherche dans, dans le... All the line -da 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 -da. Si vous avez un studio de doublage, n'hésitez pas à me contacter pour que je fasse les voix pour vos jeux. Ah carrément. Mais déjà fais la voix de, Dès que tu fais la voix de Burnout 3, euh, c'est bon. Salut, bienvenue sur Radio Crash <risange> Ok donc le script s'est lancé. Find anything, Jill là, quelque chose, Jill Non, rien du tout. time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And <laughs> Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, Cool. Puis je pense que ce qui fait peur aussi avec ce jeu, c'est le contraste entre les phases d'action et les phases d'exploration. Parce que quand explores limite, t'aurais besoin que d'une main, quoi, et euh, es là, en mode détente, il se passe rien, et puis d'un coup, bah, il faut que tu vises, il faut que tu tires. Bah c'est le... ça que j'aime pas, en fait, c'est le... Enfin, le côté screamer, en fait, c'est le côté surprise. Parce qu'après ouais. un zombie en tant que tel c'est débile, ça va à deux à l'heure, euh, c'est pas non plus le, plus le truc le plus violent quoi. Mais euh, le fait que tu saches pas quand tu vas t'en taper un, t'as la musique qui s'emballe derrière, bon bah un peu moyen. Et là je crois qu'on peut sauvegarder il me semble, attends je vais regarder. Hein. Ouais c'est le tampon, attends. Ah la ink ribbon, et oui il y avait aussi ça aussi dans le jeu, c'est qu'on pouvait pas sauvegarder quand on voulait, il y en avait des normes de sauvegardes limitées ah, oui. par le nombre de... Ah, ah par oui, contre donc, je vais vérifier un, un truc, de... ça c'est pour tirer... Et Normalement il y avait une touche, on pouvait... Vous pouvez accélérer, il me semble. Ah voilà, voilà, ok. Ah oui. On peut aller plus vite. Voilà, donc déjà, c'est quelque chose cool à savoir. C'est la touche A normalement. Ok. On va en 3 A. sur PlayStation. Euh, ouais, moi ça tourne. <laughs> Alors... Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Ma... <laughs> Et oui. Je suis bête. Et là, c'est le drame. Tain, tain, tain. <laughs> la porte bleue. Alors, ce qui était pas mal dans le jeu, bon, ce qui est pas mal non, c'est totalement pourri, mais en fait, euh, ce qui était censé nous aider, oh c'est qu'en gros, il y a quelque chose qui, normalement, doit euh, mettre à la puce à l'oreille, voilà, c'est en haut, hein, vous pouvez le voir. C'est un truc de marionnettiste Non, c'est Il y a un truc, il y a un parchemin dans la... Ah, mince, je ne peux pas y aller, il y a un meuble devant. Hmm, est qu est seulement que, que je pouvais pour... le pousser. Alors, normalement, euh... oh, putain, les touche action dans ce jeu... Ah voilà, c'est ça. En fait, il faut juste mettre. Ah, ce on peut Ah, mais j'ai rien dit alors. Mauvaise langue. On peut se pousser là. Voilà, voilà on va avancer. Incroyable. Donc, cet objet est en, en véritable 3D alors. Ouais. Mais c'est ça qui était pas mal à l'époque dans le jeu 32 c'est qu'on pouvait, on pouvait déjà plus ou moins euh, distinguer les objets qui allaient être bougeables ou pas. Moi, j'avais pas calculé euh, qu'ils que sortaient du décor. Voilà, oh contre, là non. là, si seulement je pouvais monter les escaliers! Ouais, c'est ça. Oh, il y a une carte du premier étage. Est-ce que je vais la prendre? Bah non, quel intérêt, je non. veux non. dire. <laughs> non! Il y a une pour le premier Ok. Mais, il ouais, est alors. vraiment bizarre le propriétaire de ce, ce manoir, quand même. Euh... Là, en et plus. Cette carte-là, à cet endroit-là. Là, on peut le pousser ouais. et on peut passer par là, mais je vais pas le faire. Il faudrait <laughs> que Jill fasse un régime. <laughs> C'est ça. la tranche La tranche de la personne, personne. <rire> <rire> Attends, remets-le, remets-le, mais bougez, arrête. Ah, merde, tu merde, pas merde. Dommage. <laughs> <laughs> C'est juste trop drôle, quoi. On dirait qu'il lui manque un œil, en fait. En fait, elle a la tête du mec sur la jaquette de la Director's Cut, quoi. <laughs> C'est ça. Non, attends, je vais, je vais rusher un peu. Ouais, et puis pareil, le fait qu'il y ait une musique très calme, qui est... Alors, normalement, on, oui. si je fais ça, on a la map, voilà. Non, à chaque fois je me trompe, ça c'est les... Puis en bas à gauche, il y a une petite, une petite photo de sa tête pour qu'elle se rappelle qui elle est à tout moment si jamais elle perd la raison. Exactement. Qu'est-ce <laughs> euh, <laughs> qu que je disais du coup ouais, Donc là, euh, vert c'est ce qu'on a... On en rouge c'est là où on est, vert c'est ce qu'on a déjà exploré. Et oui. donc du coup, bah, il faut changer un peu de... Oh, euh... mm. On va faire sortir... Sort... Ce PDA avec une résolution de Game Boy Advance incroyable. Je sais pas si t'as remarqué aussi un truc le, La résolution d'écran change par rapport En fait on est en cinématique ou si on est en mode euh, En mode ah. je joue Tout à l'heure c'était un petit peu Il y avait des bandes noires solo et le bas et là ils y sont plus Ah oui d'accord Bon par contre faut que j'aille où même Ah oui on avait déjà inventé la résolution dynamique En 1996 incroyable Bon normalement si, si je monte il va me dire qu'il faut d'abord que je Passe le premier étage Ah non même pas Bon, bah voilà. Ah oui, puisqu'il était pas mal aussi dans les chargements, un... c'est qu'il mettait en. Souvent où tu t'avais tu as une porte différente. Là, tu as un escalier, tu montes l'escalier. Très lentement, d'ailleurs, pour une paralysie C'est long <laughs> C'est ça. Et là, tu dois te, te retaper encore une cinématique Non, c'est une blague. Ah, non, 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 <laughs> voilà. c'est Ah, y'a la Joconde dans, dans le tableau. Je crois que ah, ça ressemblait à la Joconde. Ouais, normalement. Parce que j'étais quand t'as la musique s'arrête. Vas Vas-y, prends ton temps hein, c'est pas comme si tes potes étaient en train de se faire manger par des zombies. C'est ça. <laughs> Alors, normalement, devrait y avoir un zombie pas loin. Ouh. Mmh. Ça fait peur. Ah mon dieu. Tu vois, en fait, si je vais vers le haut vers le bas, je peux viser la tête. Mmh. Donc là, je vais essayer de viser la tête pour lui pour le mieux c'est les. yeux. Veuillez obtempérer à la sommation des forces de l'ordre. Ouais oh, ah merde, flouette. je suis trop nul <laughs> oh, j'ai réussi à me faire pourrir par ça quoi. Je vais mourir. Oh Alors de du coup... Du coup j'ai juste un mec sous l'exomile euh, qui, 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 qui a dépecé un lapin juste avant. Du coup j'ai plus de munitions, <laughs> c'est magnifique. Alors attends, on va faire équiper. Euh, ah, c'est ce... bien, c'est là que ça va devenir intéressant, vous voyez là Kim il était serein jusque là, maintenant il a plus de munitions, là on va voir sa vraie nature Mais ben, surtout je sais pas, alors normalement le couteau, Attends, comment on l'utilise Ok enfin, Le maniement, est... Est... on critique, oh, putain, on critique oh. ton Raider Ya yeah. N'approche pas, ville créature Ah, je vais mourir Pas dans la rue Hashtag pas dans la rue ah J'ai mouru. ouais je suis mort. Ouais je suis ouais, <laughs> <laughs> <Ouais, j'suis mademoiselle. rire> Putain je suis déjà morte quoi. Ouais. Et mais voilà on s'arrête ouais, là-dessus. On s'arrête là-dessus. <laughs> en plus j'ai pas tout recommencer quoi. C'est ça le pire. Oh. Eh ouais. Oh shit. Alors je sais pas jusqu'où il faut recommencer mais non crois moi, plus je crois qu'il faut recommencer. Moi je me plus. rappelle d'un jeu, si tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe ça doit être Resident Evil 2. Mais je me rappelle que quand tu te faisais bouffer il y avait une cinématique pareil en fond noir mais avec les zombies qui te bouffaient quoi. Et ça, par contre, ça, ça m'avait fait, fait... Ça, ça fait peur quand j'étais petit. Hein. Euh, ouais. Alors du coup, ça j'aime ça ah pas. Ah oui, du coup, tout. on repart de l'écran. Ah si oui, oui notre... ah oui, on a pas ah sauvegardé. Oui, <laughs> 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 non, enfin, pas, on passe les gars dans le sol. C'est la neutre, mais du coup, il faut recommencer <laughs> le jeu. Euh, alors ce qui est dommage, du coup, c'est que j'aurais voulu vous montrer l'autre mode de jeu, mais bon, comme on l'a pas est développé... C'est génial. Euh, c'est un peu compliqué. Et en plus, je crois même que je vais planter. Enfin, c'est magnifique. Non, mais oui, on a qu'à s'arrêter là-dessus. Oui, de toute façon, je l'avais dit. Hein, dès que je mourrais on s'arrêtait. Donc, <laughs> Déjà. Alors, juste pour terminer la vidéo vite fait. Normalement, il y avait là à côté, là, quand, là où on est mort, il y avait une statue. Je crois qu'il faut la faire tomber carrément pour euh, pour débloquer un truc. Enfin, ça, c'est un peu plus tard dans le ah, jeu. Ah, celle avec le cristal bleu dans sa main. Voilà, exactement. Ah. Donc, du coup, ça c'est marrant. Là, cristal bleu, on dirait que ça sert à quelque chose. Bon enfin dans tous les cas, euh, le jeu a planté donc c'est magnifique. <laughs> Un plaisir. Bon bah ben, c'est là-dessus. Merci Guillaume d'avoir accompagné. Voilà pourquoi ah il faut faut jamais faire ce genre de jeu avec moi. Ça dure pas longtemps. <laughs> c'était marrant, c'était marrant. Non, par contre, Allez, on... Des bisous tout le monde Allez tout le monde, bonne soirée à tous.